Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver aujourd'hui. L'avenir, l'an 1 de la législature, bilan positif. Le vrai modérateur des billets symboliques à l'effigie des Fachi et JKK, premier anniversaire de l'alternance démocratique. 24 janvier 2020, le gouvernement met du paquet. La prospérité, messieurs et dames, c'est vrai que vous attendez que je parle. Que je dise un mot sur la question de billets. Mais avant tout, notre travail, ce n'est pas de démobiliser la population. Notre travail est d'instruire la population, d'expliquer les mots, ce qui est important. Et donc aujourd'hui, je mettrai le cap sur deux choses. La première émission, je parle du billet. Et je l'ai intitulé, le billet qui divise et les billets qui énervent. On en parle dans la première partie. La deuxième partie, je parlerai du prix de l'alternance. C'est là qu'on parlera du coût qui va être fait. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi d'abord d'expliquer c'est quoi un billet collector. Parce que j'ai comme l'impression que parfois les Congolais, nous agissons par programmation. On n'a pas encore eu l'information totale, globale, mais nous agissons quand même comme si c'était arrêté, comme c'était fait. Déjà, il faut dire, ce billet collector est une proposition. Au moment où je vous parle, c'est encore une proposition. Ce n'est pas encore arrêté et défini comme ça. Mais c'est une proposition dont la maquette a été présentée hier à Kinshasa. Mais c'est quoi un billet collector? Un billet collector est aussi appelé un billet souvenir. Cela ne se passe pas que pour l'argent. Non. Ça se passe aussi dans les stades, dans les matchs, dans les concerts. On dit un billet collector parce que ça rentre dans une collection. Ça va dans une collection. C'est un billet qui n'a pas de valeur faciale. Ça n'a pas de valeur nominale. Ça n'a pas de valeur monétaire proprement dite. Ça n'a vraiment pas de valeur. On n'achète rien avec un billet comme ça. Billet collector, wana, bakosom banango et l'autre côté. Olingala, ça veut dire billet wana bakosom banango et l'autre côté. Et puis, il y a un billet qu'on va distribuer à la population T. C'est un billet qui fera imprimer la banque centrale et qui va rester la banque centrale. Pour que Mouto Alingi souvenir wana à kosom banango. Donc, ça va être finalement un billet qui va récolter l'argent. C'est un billet qui va devoir récolter l'argent. Mais on ne nous a pas dit combien ça va coûter, impression, il y a billet wana. J'ai entendu des gens dire, oh non, il y a l'inflation, il y a un billet. Non, ces billets-là, et vous allez prendre son balipaté. Tu n'achètes pas le pain avec, tu n'achètes rien du tout avec. C'est un billet souvenir. Donc ça, c'est déjà le premier élément, il y a billet souvenir. Mais maintenant, le problème est à quel niveau? Le problème est à un niveau, il y a photo, effigie. Pourquoi il faut le visage de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila? Pourquoi il faut leur visage? Bien là, on dit, ce sont les deux acteurs de l'alternance. Mais je veux décevoir plusieurs personnes. C'est faux. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ne sont pas les seuls acteurs de l'alternance du Congo. Non, l'alternance de notre pays a une histoire. C'est ainsi que je parlerai dans la deuxième partie, ça a une histoire. C'est fausser l'histoire que de dire que notre alternance, c'est deux personnes. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila Kabang. C'est faux. Ils ont eu la possibilité d'être couronnés parce qu'on était dans une lutte et Félix a été couronné comme président de la République et donc acteur majeur. Non, je veux dire acteur visible de notre alternance. Mais les acteurs majeurs, les vrais acteurs de cette alternance ne sont même pas en vie. C'est toutes ces personnes qui ont perdu la vie. Ce sont eux, les vrais acteurs, les héros de l'alternance. On ne peut pas parler d'une alternance sans parler des martyrs de l'alternance. Donc il y a un petit hic à ce point-là. Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin, est-ce qu'on a besoin d'avoir un billet collector? Avons-nous vraiment besoin d'avoir un billet collector? Je dis non, nous n'en avons pas besoin. Regardez, parce que nous avons des fiches. La photo de Félix Tshisekedi et Kabila ont déjà été prises. Et ces photos, tout le monde a ces photos dans son temps, dans son téléphone. C'est déjà rentré dans la mémoire collective. On n'a pas besoin de le cristalliser à un billet. Sur un billet, on n'a vraiment pas besoin.
On n'a pas besoin. Là, cette journée-là, si vous voulez vraiment commémorer convenablement cette journée du 24, j'en parlerai dans la deuxième partie, on n'a pas besoin de l'image de Félix Tshisekedi et Kabila. On n'en a pas besoin. Nous avons ici besoin, par contre, des films et documentaires retraçant les grands mouvements, les grandes périodes, les grandes époques de l'alternance. Nous voulons voir les militants de l'UDPS brûlés. Nous voulons connaître l'histoire parce que ces gens ont été brûlés à cause de cette alternance. Nous voulons voir les gens comme Rossi, les gens comme Eric Beloco, tous ces gens-là. Nous voulons un peu savoir ce qui s'est passé avec eux. Donc, on n'a vraiment pas besoin d'un billet. C'est très, très, très simpliste comme chose à faire. Mais il est important de dire un élément. Pourquoi aujourd'hui on aurait la photo de Kabila et Félix Tshisekedi? Vous savez, si on était en 2016 et que la proposition de la photo était faite, personne n'allait crier. Personne n'allait dire mal, quoi. Personne n'allait contester le billet. Mais c'est parce que M. Kabila nous a finalement donné cette alternance après 2 ans. Mais je pourrais même dire qu'il ne nous a pas donné l'alternance. Nous l'avons ravi au prix des sacrifices suprêmes. Je serai beaucoup plus détaillé dans la deuxième partie quand je parlerai du prix de l'alternance. Mais ici, attaquons-nous d'abord à ce billet que moi j'estime le billet de la provocation. Que moi j'estime le billet qui n'a aucun sens, c'est le billet de la flatterie. C'est le billet de la flatterie, c'est le billet de Djalelo. Parce qu'on n'a pas besoin, Félix Tshisekedi n'a pas besoin d'un culte de personnalité. Il n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de mettre son visage dans une histoire. Parce que nous tous nous connaissons que son histoire, l'histoire de Félix Tshisekedi, sera éternellement attachée à l'alternance. Donc on n'a pas besoin d'un billet pour ça. Si billet pouvait y avoir, on pouvait plutôt même afficher autre chose. On pouvait... Par exemple, la photo de Rossi Chimanga, Rossi Kapangala, Eric Boloko, tous ces gens qui sont tombés, on pouvait. Ou alors à la limite, parce que si on cite Rossi, on ne cite pas Eric, ou on cite Kapangala, on ne cite pas les autres, notre ami Luc et les autres, si on ne les cite pas tous, vaut mieux mettre un drapeau. On aurait pu mettre un drapeau. On aurait pu construire un monument, on dit, bon, on fait une effigie d'un monument, on dit le monument de l'alternance sur un billet. Ou même tout simplement le billet de l'alternance. Ça peut encore être compris. Vous savez, même si on avait le billet de l'alternance, les gens pouvaient même accepter qu'il y ait la consommation. Mais si les gens sont contre la photo, ces photos-là, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas contre Félix Tshisekedi que les gens sont contre. Les gens sont contre le visage de Kabila dans la photo. Les gens sont contre. Regardez tous les postes, faites la sommation. Vous allez voir, ce n'est pas Félix qui est attaqué. Mais ce que les gens ne veulent pas voir Kabila là-bas, on va dire que c'est comme une sorte de cadeau, alors que notre alternance n'a pas été un cadeau. On ne peut pas remercier quelqu'un qui a fait la chose en retard. On ne va pas applaudir pour lui pour ça. Non, ce billet-là, je demande au président de la République d'user de son pouvoir pour annuler tout simplement cette idée de billet. Monsieur le Président, prenez de la hauteur, prenez de la grandeur, dites non à ces billets. Qu'on nous fasse un carnet, on a besoin plutôt d'un carnet. Nous voulons voir un carnet, une bande dessinée si vous voulez, mais un carnet de l'alternance. Ce que nous voulons, c'est un carnet de l'alternance, retraçant ainsi tout ce qui s'est passé pendant l'alternance, cristalliser ça dans un bouquin, dans un livre ou dans une petite bande dessinée, dans des documentaires, dans des films, dans des mini-reportages, dans des conférences, dans des colloques. C'est ce que nous voulons en fait. Mais pas un billet qui va énerver les gens. Non, pas un billet. Ce n'est pas une bonne chose. Regardez maintenant. Moi, j'ai essayé d'énumérer quelques points de ce billet-là et son importance. C'est un piège, mais il faudrait en parler avec beaucoup de lucidité. Pourquoi il faut qu'il y ait un billet pour cristalliser l'alternance? Non. Réfléchissons un tout petit peu. L'alternance, on devait l'avoir en 2016, pas en 2018. Non, on devait l'avoir en 2016, pas en 2018, disons en 2019. Mm-mm. Cette histoire devait être déjà faite. Aujourd'hui, nous parlons, on serait loin. Et j'en parle. Regardez, si nous parlons de l'alternance, réfléchissons un seul instant. Pourquoi, lors de la libération du Congo, Moussa Laurent Désiré Kabila n'avait pas besoin d'un billet pour cristalliser la libération. On venait aussi de sortir d'une grande crise. On avait connu un président 32 ans, on n'avait que lui. Lorsque Laurent Désiré Kabila arrive, pourquoi il ne crée pas? Pourquoi il ne fait pas un billet tout de suite? Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il n'y a pas eu un billet de l'élection? Si Kabila avait vraiment besoin d'une photo,
Pourquoi lorsqu'on a fait les premières élections, Kabila n'a pas fait un billet des élections? Non, notre billet de l'élection, Yango, première élection 2006, depuis qu'on a commencé, première élection, on a un billet de l'élection. Pourquoi on ne l'a pas fait? Vous avez vu ce qui s'est passé dans nos cinquantenaires d'indépendance? On a eu un billet de cinquantenaires, mais que les économistes nous disent qu'est-ce que ça coûtait à la République? Ça produit quoi? Nous avons gagné quoi en faisant ça? Voyez-vous le grand problème? Non, le problème ici, c'est que le billet est tombé, vient tomber très mal dans un contexte d'un conflit, dans un contexte où les gens ont d'autres priorités. On ne peut pas venir nous dire qu'on en a besoin aujourd'hui. On n'a pas eu de billet des élections en 2006. Pourquoi avoir un billet de l'alternance aujourd'hui? Pourquoi en avoir? Je ne vois pas son importance en tout cas. Ce billet n'a aucune importance. Ce billet n'a pas été attendu par le peuple. Et vous avez vu la réaction populaire, tout le monde est contre le billet. Mais les gens ne sont pas contre l'alternance. Nous avons besoin de l'alternance. Mais nous n'avons pas besoin de célébrer de cette façon festive cette alternance. Comme si c'était un luxe pour nous. Non, on a pris ça, on a pris cette alternance dans la douleur, dans le grincement des dents, un peu comme, je le dirais mieux dans la deuxième partie, un peu comme dans comment on appelle ça encore, un peu comme l'indépendance. Et puis, il faut le dire, ce qui est important pour la mémoire collective, les vivants ne se retrouvent pas sur des monnaies. C'est un mauvais signe. On ne trouve pas les vivants dans une monnaie. Ce sont les personnes décédées pour le pays, qui se sont battues, qui ont fait des efforts, qui ont fait des choses bien dans le pays. Oui, mais pas les hommes vivants quand même. Pas les hommes vivants, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. C'est vrai, dans certains pays, on trouve, mais ce sont des très mauvais signes. Ce sont des très mauvais signes. Quelqu'un m'a même dit, en Angleterre, il y a des billets qui portent le nom, le visage de la reine, ou des pièces qui portaient le visage de la reine. C'est un royaume. Les populations anglaises sont considérées comme des sujets de la reine. Ce n'est pas le cas avec nous. Nous, on n'est pas des sujets, on est des citoyens. Et le président est le premier citoyen. Alors, tant qu'on n'arrivera pas à comprendre ces petites choses, ça va être compliqué pour nous. Regardez le dollar américain. Vous avez Lincoln, Franklin, vous avez Grant. Mais vous avez des gens, mais qui ne sont pas en vie. C'est par reconnaissance nationale, pour le besoin de la mémoire collective, l'on pense qu'il faut mettre ces gens sur les billets. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va mettre la photo de Félix Tshisekedi qui n'a qu'un an au pouvoir, et vous mettez le visage de Joseph Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir. Pourquoi? Et du coup, dans l'imaginaire collectif, ça ne communique pas bien. Tout ce que Kabila ne pouvait pas faire en son temps, on veut le faire à Fatih aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Je voudrais retracer un peu les choses ici. Depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de billets collecteurs. Alors que le Congo a eu des événements assez importants. On a eu trois fois les élections dans ce pays. On aurait pu avoir un billet des élections. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que ces choses étaient contestées, ces choses avaient des problèmes, avaient des petits soucis. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à inaugurer des choses nouvelles. Non. Tenez, moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait un billet. Mais je suis contre le fait qu'il y ait les images des gens qui vivent dans ces billets-là. J'aurais aimé qu'on mette les gens qui sont morts. J'aurais aimé qu'on mette les symboles de l'État. J'aurais aimé qu'on mette quelque chose en dehors de ce qu'on mette autre chose. Et puis en plus, il faut peut-être expérimenter l'alternance. Nous devons l'expérimenter. Pourquoi ne pas laisser 2 ou 3 ans pour essayer un peu de cristalliser l'alternance, pour faire une sorte de mémoire de notre alternance? Parce qu'il faut un travail de fond. En un an, vous ne faites pas la collection de tout ce qui s'est passé. Non. Vous devez répondre à la communauté internationale, à la communauté nationale. Vous devez répondre aux Congolais et leur dire comment sommes-nous arrivés à l'alternance. Ça nous a coûté quoi? Nous devons le savoir. Mais vous ne le faites pas en 6 jours, en 7 jours ou en un an. Pourquoi on est pressé? Prenons le temps. Prenons le temps. Il y a déjà une journée qui est consacrée à cela, le 24 avril. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un billet pour ça? Avons-nous vraiment besoin d'un billet pour ça? Pourtant, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? On va diffuser quelle image? On sait qu'on voudrait diffuser l'image de comment on appelle ça encore, cette histoire d'investiture et tout. Vous allez certainement diffuser ça. Et puis après, les grands enjeux de l'alternance. Parce que ce que vous avez vu là, c'est le couronnement.
Mais l'alternance a eu un processus. L'alternance a eu des acteurs. Alors, à quelle place vous mettez ces acteurs-là? Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse un peu sur la question. Ça va être un faux pas, un très mauvais pas pour le pays que d'aller dans cette condition-là. Ça va être un très mauvais pas. On aurait même, à la limite, demandé aux musiciens de chanter l'alternance. On aurait demandé aux musiciens 10, 15, 20 de chanter l'alternance, chacun avec sa thématique, mais qu'on prenne une, deux minutes pour ça. On aurait bien voulu. On aurait bien voulu qu'on nous fasse un sketch qu'on appelle M. Kadiombo, qui est un dramaturge de notoriété dans mon pays. Je pense à lui parce qu'il a fêté son anniversaire très récemment. Coup de chapeau à lui. Mais je pense aussi, parce que je parle de l'anniversaire, je pense aussi à M. Garcia Louvoilou, mon beau-père. Je pense à lui. Joyeux anniversaire à vous et à maman Perla qui est sa femme et à tous les enfants qui sont là-bas. Ça dit les beaux frères et les belles sœurs et tout. Coup de chapeau à vous et bon anniversaire. Donc, je pense humblement qu'on pourrait, à la limite du possible, appeler les acteurs congolais qui puissent faire un mini documentaire ou un court métrage pour le besoin de la postérité, laisser une image disant exactement ce qui s'est passé. On aurait peut-être pris des interviews exclusives des acteurs de la société civile, des acteurs de mouvements citoyens, les familles éprouvées. On aurait pu penser à cela. Parce que tenez, si vous mettez le 24 janvier, la journée de l'alternance, je vous propose de mettre le jour où Rossi et Eric Boloko et les autres ont perdu la vie, mettez ces jours-là comme les jours des martyrs de l'alternance. Parce que nous avons un jour de l'indépendance, oui. Mais nous avons aussi un jour des martyrs de l'indépendance. De la même façon, nous voulons aussi qu'il y ait un jour des martyrs de l'alternance. Et dans les martyrs de l'alternance, nous voulons commémorer pour que dans le futur, avec les futures générations, que pareille situation n'arrive pas. Donc là, vous avez compris, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mon point de vue sur la chose. J'ai expliqué les billets collecteurs. Ne tombez pas, ne cédez pas à la manipulation des gens qui vous disent que le billet là, le billet va se retrouver au niveau de la banque centrale. Et avec cet argent-là, on peut faire autre chose avec. Donc, c'est un moyen de récolter, de récupérer l'argent. Là, c'est l'information. Mais maintenant, mon analyse à moi, je dis que c'est inopportun. Pas le billet est inopportun, mais j'estime que les visages qui sont dans le billet ne sont pas des visages, disons, on n'aurait pas dû avoir ces visages. Pas parce qu'ils sont mauvais, non, mais parce qu'ils sont en vie. Moi, ma raison, c'est parce qu'ils sont en vie et je ne trouve pas ça commode que les vivants se retrouvent dans les billets. J'aurais voulu qu'on fasse autre chose à la place. C'est ça qu'il faut dire. Mais un élément aussi important, parce que j'ai quand même pris mon temps à répertorier quelque chose et pour essayer un peu, si possible, à la limite des possibles, m'indigner de ce caractère festif que nous voulons avoir. Je dis encore une fois que lorsque Kabila a unifié, entre guillemets, quand il a unifié le pays, il n'y a pas eu de billet d'unification. Il n'y a pas eu de billet d'unification. Pourtant, c'était un événement majeur, entre guillemets encore. Je le dis encore une fois, on ne célèbre pas une alternance par des billets. Non, on célèbre une alternance par une pensée. On célèbre une alternance par une pensée. C'est quoi la pensée qui se cache derrière notre alternance? C'est une très bonne chose. Le visage, j'en ai parlé. Donc, je pense humblement que, un peu comme les autres dans la suite de tous ces gens qui se sont indignés à cause de ce billet, je pense comme tout le monde, j'étais le premier à demander au président de le refaire. Bon, on entend, maintenant là, il y a des rumeurs qui circulent, comme quoi le ministre Ilunkamba serait aussi d'avis que le billet provoquait les gens. Bon, il a dit. Est-ce qu'on ne sait pas si c'est un fake ou c'est encore une vérité parce que c'est un compte Twitter. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on peut faire dire à tout le monde n'importe quoi. Donc, déjà sur ce point-là, voici la grande problématique. Je termine mon allocution de ce matin en disant ceci. Ici, je m'adresse au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Monsieur le président Félix Tshisekedi, votre combat de 37 ans ne peut pas être sapé aujourd'hui. Vous vous êtes longtemps battu.
aux côtés de quelqu'un qui ne pensait jamais la gloire, mais qui pensait l'épanouissement du peuple congolais. Aujourd'hui, ce même peuple qui vous dit « peuple d'abord », vous demande, par mon canal, si vous voulez, ils disent qu'ils n'ont rien contre vous. Mais ils n'apprécient pas le billet. Parce qu'ils n'en voient, ils ne voient aucune opportunité dans ce billet-là. Qu'est-ce que le peuple gagne? Qu'on ne vous trompe pas, monsieur le président, en vous parlant de la mémoire collective. Monsieur le président, la mémoire collective se crée autrement. Et personne ne peut enlever l'image que nous avons de ce qui s'est passé à l'investiture. Personne ne peut nous enlever dans l'esprit qu'il y a eu alternance dans ce pays. Personne. Nous n'avons pas besoin de crier sur le toit que nous, on a eu une alternance. Nous, on a eu une alternance, on a donné des leçons aux gens. Les gens vont vous dire, votre alternance est venue en retard. Vous aurez pu l'avoir en 2016. Ce n'était pas en 2018 qu'on attendait l'alternance. On l'a attendu en 2016. Cette alternance n'était pas venue. Si Kabila avait accepté de partir calmement en 2016, même si on mettait sa photo sur toutes les maisons de Kinshasa, personne n'allait avoir de problème. Personne n'allait faire de problème. Parce qu'en 2016, il n'y avait pas encore eu de tueries comme aujourd'hui. En 2016, il n'y avait pas encore de problème comme aujourd'hui. Donc si en 2016, Kabila était parti, on aurait dit merci à Kabila en mettant ses photos partout dans les rues de Kinshasa. Ça, ça aurait été une bonne chose. Mais monsieur le président, j'estime que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, à la place de billets, voici ce que vous pouvez faire. Kinshasa a 24 communes. Moi, je ne suis pas très quinois pour comprendre exactement combien de ronds-points on a, vraiment. Mais nous avons quand même des ronds-points assez emblématiques. Nous avons des places emblématiques. Voyez-vous Pascal, par exemple, c'est un très bel espace. Voyez-vous Abattoir, c'est un bel espace. À la sortie de l'aéroport, c'est aussi un bel espace. Vous voyez, vers Limité, 7e rue, c'est un très bel espace. Vous allez à la première rue Limité, espace Péabiyawana. Donc vous voyez, seulement tout le long de ce boulevard-là, vous pouvez placarder, si ça vous intéresse, des affiches mettant, parlant de l'alternance. Et voici ce que moi je vous propose. On peut faire, parce que ma petite, on a basa et belé, ma jeune gens, ou basa, ma graphique, basa et belé. Pardon, ça, les graphistes, pardon. Les graphistes, Maza et Bélé. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bah, on a photo na yo, président. Mais à Kabila, bah, Tchébino, Licolo. Sur le fond, na fond, il y a affiche. Bah, Tché, bah, image, il y a bateau, bah, père, mon colouan. Bah, Tché, bah, image, on a bango. Et bah, commis, na senango, l'alternance a eu un prix. C'est ça, réparer les gens. L'alternance a eu un prix. Ou vous pouvez écrire, l'alternance n'est pas un cadeau. C'était un aboutissement d'un processus. L'alternance acquise. Il y a des mots que vous écrivez qui disent beaucoup plus. Bon, comme yango bongo, bon, tiens la photo, na avenue, on a mobimba, bon, yango, bon, tiens, na échangeur, bon, tiens, na fikin, na kasavu, boawa, bon, tiens, un peu partout, la wilerie, bon, tiens, la partie, on a. Les gens n'auront pas de problème. Mais pas un billet, s'il vous plaît. Pas un billet, monsieur le président. Non, vraiment l'importance, la notée. Je ne vois pas l'importance. Au contraire, ce sont des choses de nature à détruire votre crédibilité. Les gens vont dire, monsieur Félix Tshisekedi est ivre du pouvoir, à Bossani, ma priorité. Monsieur le président, le temps n'est pas au fait. L'heure n'est pas à la fête. L'heure est à la reconstruction du pays. L'heure est au travail. L'heure n'est pas à la célébration des choses. L'heure n'est pas dans ma cambouto. Oh non, si on te fait notre pème, on n'est pas en train de nous reposer. La guerre est grande. L'alternance est chaque jour dérangée, chaque jour asphyxiée par les comportements nauséabonds et les comportements, je veux dire, non responsables, irresponsables des gens du FCC. On met régulièrement en contradiction, en péril, l'alternance. On ne va pas la célébrer dans des conditions pareilles. Parce qu'elle est encore fragile. Notre alternance est encore fragile. On n'a pas besoin de la célébrer maintenant. Parce que tous les jours qui passent, le FCC brutalise, persécute, torture, étrangle notre alternance. Le FCC est en train de terroriser l'alternance. Alors donc on ne peut pas célébrer ça maintenant. Je crois qu'on aurait pu laisser un peu le temps passer
peut-être l'année prochaine. Pourquoi, peut-être, pourquoi pas en 2021? Pourquoi pas en 2021? Pourquoi pas en 2022? On aura eu tous les éléments possibles pour faire une fête. Ne soyons pas pressés. Enlevons la mentalité festive. Enlevons ça. Vous avez reçu quelque chose de fabuleux, monsieur le président, déjà à niveau RTNC. Votre image n'est pas régulière, comme c'était dans le camp, dans le temps, pardon. C'est déjà une très bonne chose. Photo n'a pas mûreté comme c'était avant. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut faire encore plus pour que la photo évalue déjà et l'ongwa. Le nom du président de la République doit se trouver dans le succès du travail des Congolais. Il n'y a que de cette façon-là qu'on célèbre un roi ou qu'on célèbre un président. C'est quand un Congolais a un travail, il dira, il y a quelqu'un qui veille sur moi. C'est quand le Congolais peut se déplacer tranquillement, sans qu'il y ait des problèmes, c'est quand il dit, je suis bien. C'est quand un homme de Beni, une femme à Beni, à Butembo, à Fizi, là-bas, dort pendant un mois, il n'a pas de problème, il n'a pas perdu un membre de famille, lui-même n'est pas mort, elle-même n'est pas morte. Oui, en ce moment, on peut dire, nous avons un président. La force d'un président, la visibilité d'un président, c'est dans les actions qu'il pose au profit du peuple. Ce n'est pas dans les effigies, ce n'est pas dans les chansons, ce n'a rien à voir, ce n'est même pas dans le billet. Voyez-vous ? Vous risquez de défier les peuples. Les gens risquent de croire que c'est un défi maintenant. Et parce que c'est un défi, on n'impose pas à un peuple une culture. Si vous l'imposez, ça devient compliqué. Donc, mon point de vue à moi sur la question est Zawana. C'est bien de célébrer, parce que dans le cas de solo alternance, Simeon Bobangate, j'en parle dans la deuxième partie, la consacrée à l'opéra tout un dossier. Donc, j'estime que ce n'est pas le moment. Et le billet ne doit pas porter les visages des gens qui vivent. Les billets, il doit y avoir le billet vraiment. Il faut qu'il y ait des visages des gens qui sont décédés pour l'alternance. J'ai proposé que tout au long de Balabala, affiche Shabatouana, mais avec des mentions bien inscrites pour montrer que l'alternance n'est pas un cadeau. Parce que dans la tête des gens du FCC, ils pensent que l'alternance est le cadeau de Kabila. Non ! Ça, il faut dire non. Dire non à gorge déployée. Il faut dire non, il faut que boue yango ko piko ko pa mela yango comme on dit. Parce que c'est une idée maléfique. Il faut que pa mela yango. C'est une malédiction pour notre alternance. Et le dire, ce n'est pas méchanceté. Vous pouvez voir sur mon visage, il y a aucun signe de méchanceté. Il n'y a que gentillesse, il n'y a que bonté. Parce que je n'ai pas de colère, je n'ai pas de haine. J'ai beaucoup d'amour d'ailleurs. Je voudrais que nous puissions protéger notre alternance, mais protégeons-la bien. Construisons-la ensemble. C'est ce qui est très important. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont j'allais dire, ce dont j'allais parler, au profit Yamande Konabiso, au Batola Nabiso, un peu partout. Donc, bref, ne tombez pas. Ne tombez pas dans la manipulation. Chers Congolais, vous tombez dans la manipulation. Information, il y a on a pessibino, il y a information, il y a solo. Bah proposer, bah créter, noter. On attend que le gouvernement se prononce. Bah ça là qui va proposer na bango, mais le pouvoir discrétionnaire du président peut agir. Le président peut dire, j'ai entendu mon concitoyen Christian Bossembe, j'ai entendu mon compatriote Christian Bossembe qui a parlé au nom de ces Congolais indignés par ce billet là. On recule, on ne le fera plus. On va penser à autre chose. Donc, tiens, ma pancarte, n'est que c'est un bossé à l'oubaki. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra créer et construire un État. Bon, quand on a tout le monde, on a dit non, biéwana bakolia, biéwana bakokabayango. C'est faux. Biéwana, au contraire, ce billet va rapporter de l'argent dans le trésor. Au contraire, ce billet va rapporter de l'argent dans le trésor parce que les gens viendront l'acheter. Mais nous, nous disons non, ce n'est pas le moment. On peut avoir autre chose après. Bon côté. Parce que les gens risquent d'attaquer l'alternance, alors que l'alternance n'a pas de problème. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'avoir été nombreux, en tout cas. Et puis, c'est confirmé, nous allons fêter lundi, c'est ça, le 23 lundi? Oui, lundi, ce lundi, on va fêter notre anniversaire, notre première année, il y a Congo Buzz. On a finalement trouvé une idée géniale que vous allez aimer, vous allez suivre. Et ça, c'est un très grand plaisir. Puisse Dieu vous bénir, tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.